Salut à tous. Donc on se retrouve pour la suite de The Legend of Zelda Oracle of Ages. Et je suis paumé parce que ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas enregistré, j'ai pas regardé où j'en étais. Donc, enfin, je me rappelle que j'étais dans le 6ème donjon, mais à part ça, je sais plus dans quelle salle j'étais allé, etc. Alors ben, je vais devoir me démerder. Est-ce que j'avais récupéré l'objet du donjon? Non, ok. Je crois que je m'étais fait tuer à un moment. Si je me trompe pas. Ouais, je me souviens plus en fait. Donc on va... Je fais n'importe quoi. Voilà. Et là je suis paumé hein. Donc j'ai tenté d'aller dans le... d'aller voir la suite quoi. Donc j'ai exploré un peu partout. Ouais. Donc faut arriver par en haut apparemment. Ouais. Je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille. Ouais, c'est ça. Ouais, je me paume un peu dans les touches vu que... La dernière fois que j'ai enregistré c'était sur Super NES donc j'ai pas configuré les touches pareil. Et voilà, je me rappelle, j'étais mort ici. Donc on va continuer. Oui, je mange, vous avez remarqué. Ça commence par un P ce que je mange. Donc, j'ai un R, un I, un N. Mais c'est pas des Pringles. Non, allez, je vous le dis, c'est des princes. On s'en fout, c'est pas grave. Alors là, vous connaissez cette énigme. Faut tirer un des deux, mais on sait pas lequel, hein, de toute façon. Et si on se trompe, voilà ce qui arrive. J'avais une chance sur deux, il fallait que je me fasse avoir. Ah d'accord. Je viens de comprendre. Même le bon, il fait tomber des serpents en fait, c'est ça? Non? On va falloir m'expliquer là. Ah mais... Donc j'en appelle au hibou. Hein. Ouais, alors ça, ça m'aide. Oh putain. Donc ça, c'est net de première catégorie, ça. Ah, je viens de comprendre, ça change à chaque fois. Ah, il faut tuer tous les serpents. Ok. Ouais, à mon avis, ça change à chaque fois, en fait. Ah bah voilà. Déjà ? Ah bah putain. Ça mérite un prince. Donc nous voilà avec la clé du boss. Donc par là je crois que j'ai rien oublié. Je vais vérifier. Non. Thank you.
Alors là, il faut utiliser la canne de Sumaria. Je vous ai dit, hein, on l'utilise plus trop souvent maintenant. Mais... Attends, je suis pas foutu de... Voilà. Il faut que je retrouve mes réflexes. Hein. Par contre là je vous avoue que j'ai aucune idée de comment on fait pour aller là-bas. Hein. Logiquement, il faudra passer par la droite et retomber en bas. Non, de toute façon, c'est pas comme ça. Il doit y avoir un truc quelque part. Attends, je suis déjà allé là. N'importe quoi, moi. Bah non, je suis paumé. Non, là, je suis totalement paumé, là. Je vous avoue, je sais pas quoi faire. Hein. Donc, je vais tenter... Merde. De toute façon, à gauche, on y est déjà allé, ça sert à rien. Donc, reste ici. Oh putain, l'esquive. Merde. Bon, bah, je vais retourner dans votre époque, alors, hein, vu que je peux rien faire ici. Putain, mais je prends un prince pour stream attack, foiré. Putain, laisse les gens bouffer, connard. Ah, voilà. Bon, ouais. Il me reste plus qu'à... Ouais, il faut changer d'époque. Là, on peut pas y aller parce qu'on n'a pas encore le costume de sirène. Donc voilà. Non, il n'y a pas assez de place de toute façon. Quand même, ça m'a étonné qu'on ait si facilement le la clé du boss en plus dans une énigme à la con. Enfin bon. On a peut-être la clé du boss, mais on n'est pas près de l'atteindre. Hein. Oh merde! Putain, putain, putain. Ça va saigner. Oh merde, on peut pas le tuer là. Bon. Là, c'est pas tellement les mains qui me font chier, c'est les fantômes là de merde là. Putain, putain! Putain, l'autre qui m'a paralysé. La grouille. Voilà.
Il y a un anneau d'ailleurs, si je me souviens bien, qui sert à ne plus être maudit. Mais en fait, quand on peut pas utiliser les armes, c'est pas paralysé, c'est maudit. Ah bah voilà. Mais j'ai plus de clé. Putain, je comprends plus rien là, j'ai pas le costume des sirènes, je fais comment? J'ai ni clé ni costume. Oh, je suis paumé, putain. Ouais, bah je suis dans la merde là. Non mais attendez, peut-être qu'en cassant le mur là, ça te casse dans notre époque. C'est pas ça? Attendez, je vais tenter. Donc qu'est-ce que je fais? J'avais déjà les bombes. Ouais bon, désolé pour cette vidéo à la con. Hein. Non. Ouais. Ouais mais j'ai pas le costume, putain. En fait j'avais oublié un truc dans cette époque, à tous les coups. Putain. Il devrait mettre un moyen pour retourner au début de donjon quoi. Dans Link's Awakening, si je me trompe pas, en utilisant la comment pas la flûte, l'ocarina, on se re-téléportait aux Zoomatic. Ouais, non, je confonds. Enfin, si, peut-être, ouais. Ouais. Dans Link to the Past, en tout cas, en utilisant le miroir, on retourne automatiquement au début du donjon. Ah putain, je l'aime pas ce donjon, de toute façon. Mais le prochain, c'est pire donc. Ouais. Je vais faire en sorte de pas trop faire de la merde. Ouais, c'était ça, fallait péter le mur. Putain, le truc de sadique, quoi. Il était même pas fissuré, en plus. Par où on passe? Par en bas. Je sais plus comment on fait pour y aller. Ça. Et oui, voilà ce que c'est de faire les vidéos à une semaine d'intervalle. On est complètement paumé. Et en fait, les clés,
les clés de donjon dans le passé, on peut pas les utiliser dans le... dans le présent. Enfin, et ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Ouais, c'est ça. Et voilà, et maintenant, voilà, on peut passer. Bon, bah, alors, désolé, hein. Parce que j'ai fait de la merde, là. Voilà. En fait, il fallait péter le mur dans l'autre époque pour arriver ici. Bon, désolé, mais je recommencerai pas la vidéo parce qu'elle est pas terrible. Hein. Bon, ça arrive des fois hein, de faire des vidéos pas terribles. J'essaie d'en faire le moins possible, bien sûr, mais bon. Ça marche pas. Alors, est-ce qu'il y a pas un truc à gripper de l'autre côté ou... Je vois pas comment aller de l'autre côté autrement. Hein. Non, y'a rien. Ah oui, d'accord. Je vois. Voilà. Sympa les trucs de tourniquet. Hein. C'est hyper simpliste en plus, il y a juste deux sortes de trucs. Et enfin, ils peuvent tourner dans un sens ou dans l'autre. Et rien qu'avec ça, quoi, vous avez vu tout ce qu'on peut faire. Il suffit de mettre deux tourniquets pour rendre une énigme assez sympa, quoi. Il faut que je reprenne l'autre. Je la poisse, ça c'est quoi ce truc? Voilà. Je sens qu'on arrive bientôt au mini-boss là. Si je me trompe pas, ouais, je crois pas l'avoir déjà fait. Hein. C'est mes sens qui me disent là qu'il y a un mini-boss pas loin. Ouais. Voilà une preuve. Bon, ça va pas trop le faire à mon avis avec Seeker, mais bon. Bah écoutez, je vais le faire la prochaine vidéo, qui sera mieux que celle-là, j'espère. Hein. J'espère que vous aussi, vous l'espérez. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Salut.